Dis-moi, où est-ce que tu pars maintenant? Au marché. Il est quelle heure à ta montre? 9h. 9h? Oui. Si tu pars à 9h, tu deviendras à quelle heure? Oui, on mange à midi, non? Je viens à 11h. Quoi, 11h? Ça, c'est des foutaises. Foutaises et foutaises. Non, mais c'est la vérité. Écoute-moi très bien. C'est-à-dire que tu avances des arguments pour te pavaner en ville et te faire admirer par des garçons. Par qui? Tiens ton conducteur. Ou alors ton timing. Tu pars au marché à 9h. Tu as 20 minutes de route en aller et retour. Ça fait 9h20. Tu as 2 minutes pour acheter le riz. Tu as 2 minutes pour acheter du poisson. Tu as 2 minutes pour acheter de l'huile. Et tu as 2 minutes pour acheter des aubergines. Tu m'attends? Et tu as 1 minute pour acheter n'importe quoi, le sel, tout. Cela te donne 9 minutes, c'est-à-dire 9h29. Maintenant, comme je ne suis pas méchant, je t'accorde 1 minute pour tes besoins personnels et tes démarches personnelles. Donc, si tu pars à 9h, tu reviendras à 9h30. Voilà. Donc, s'il y a un élément qui manque, il ne faut pas, je vais chercher quoi. Mais tu n'as qu'à l'abandonner. Vraiment. Tu l'abandonnes, c'est tout. C'est pas possible. Oh, c'est possible. C'est possible. Écoute-moi très bien. Tu m'attends? Pour faire une sauce, on n'a pas besoin de la présence de tout ce qui se trouve au marché dans la marmite. Et puis, il y a un adage en Afrique qui dit, beaucoup de viande arrache la sauce, mais la bonne sauce n'a pas besoin de beaucoup de viande. Mmh. Voilà. C'est à cause de tes miettes que tu m'as donné là. Ah. C'est pour ça que tu bavardes comme ça. Là. Ah bon, ce que je t'ai donné, ce sont des miettes. Écoute-moi très bien, Bui n'a pas assez d'argent. Tu te contentes de ce que je t'ai donné. Tu m'attends? Un point très. Je n'ai pas d'argent à te donner. Tu peux pas me dire ça. Je n'ai pas d'argent. Pourquoi? Et pourquoi pas? Aïe! Et l'argent qu'Abraham nous a donné pour le mois? Ah! Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Moi, je n'ai pas de compte à te rendre. C'est tout. Ah oui? Oui. Oui. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Hein? Parce que si c'est ça là, tu ne vas pas sortir d'ici sans me donner l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne vas pas sortir sans me donner l'argent. Gui sortira. Tu ne vas pas sortir. J'ai dit Gui sort. J'ai dit tu sortiras pas Gui. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un mari comme ça, inconscient, un mari inconscient, indigne, que Dieu te pardonne. Alors Douglas, ça va? Ça ne va même pas. Il y a quel problème? Papa a frappé maman. Il est là? Il est sorti. Bon, et maman? Elle est dedans. Ok, je vais la voir. Oui. Ah, je suis bon. Oui, ça va là. Oui, ça va. Oui, mais on va partir. Oui, mais tu sais, dans cette maison, il y a des choses bizarres qui se passent. Oui, puis tu le transpires chaque fois. Il y a quel problème? Non, c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Oui. Même tenue, j'ai porté hier, c'est pas ça? C'est ça? J'ai laissé 2000 francs dedans hier. Oui. Matin, là, je cherche 2000 francs là pour donner à madame Popopole. C'est ça qui me fait, je transpire. Ah, c'est pour ça que. On est là. C'est ça. Mais je vais te donner ça. Ton père m'a battu. Ça, je le savais. Il m'a battu parce que je lui ai demandé l'argent de Popote. Bon, écoute, il avait bu ou quoi? Il n'a même pas bu. Il n'a même pas bu. Il a refusé de me donner l'argent sous prétexte qu'il n'a rien. Pourquoi? Je transpire. L'argent de Popote, là, c'est très important dans un couple. En tout cas, c'est très important. Ça, un homme qui sort de chez lui matin doit déposer l'argent de la popote d'abord. Ça, c'est vrai. Et puis, les femmes respectent ceux qui donnent l'argent des popotes. C'est important. Tu as des gars, tu entends, non? C'est comme tu ça. Tu as des gars, là, tu entends. Faut donner ça. Faut parler ta bouche, là. Tu vas lui donner, on va partir. Donc, ils sont partis. Oh, pourtant, moi, je sais que c'est faux. Tu nous as donné l'argent du mois. Effectivement. Hein? Il préfère aller se balader avec ses amis, payer à boire avec ses copines. Hein? Et puis moi, je vais rester ici, fait. Ok, ok, c'est bon, maman, calme-toi. Hein. Je pars au service, mais j'ai pas assez de sous sur moi. Prends ça. Ça peut aller. Tu gères la semaine. Je repasserai le soir pour que nous puissions en parler. Merci, Abraham. Okay. Abraham, oui? Que Dieu te protège. Oui, j'ai compris, amen, maman. Porte-toi bien. Et ne faites plus d'histoire. Hein. C'est compris? C'est compris. Ok, merci bien. Au revoir. Il va venir me trouver ici. Aujourd'hui, il va pas manger. Oh, yeah.
Mathieu, que j'ai pensé, réfléchi, puis est conçu. Décide aujourd'hui, s'identifier au chimpanzé, assez foutu. Guirio, guirio, et comme Chabadagon. Laurent, oui. Est-ce que tu vois ce que je vois? Bien sûr que oui. Arrête-toi, s'il te plaît. Non, on a du boulot qui nous attend. Allons-y. L'enfant de cœur, allons au job. Mais j'ai vu où, Arafat? Le monsieur là, qu'est-ce qu'il fait là-haut là-bas? Mais il est là espionner sa femme. Il espionne sa femme? Ouais, c'est la jalousie. Mais à cause de quoi? Mais c'est normal. Tu trouves ça normal? Mais c'est normal. Mais c'est pas vrai. Toi, mais tu connais pas les femmes d'aujourd'hui. C'est normal ce qu'il fait là. C'est normal. Et s'il tombe maintenant? Mais il va se soigner. Il va se soigner? Ouais, où est le problème dans ça? Ah! Mais ça, cette histoire là. Puis, ah, c'est quoi? Sarah. Ok, moi c'est. D'abord je suis. Et tu t'appelles comment? Et tu s'appelle Sarah. Et oui, c'est mon ami Goût de Père. Alias tonton très 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 fort. Moi c'est Gaston Jupon. Je peux vous inviter à prendre un pot? Non, ça va. Je suis un peu plus. Non, mademoiselle, juste une minute, faites-moi plaisir. Ça va. Il y a le boulot qui m'attend. Non, mademoiselle, pardon, faites-moi. Bon, ça va. Bon, ok. Ouais. Mais pas pour longtemps. Non, pas pour longtemps. Ok, ok, ok. Jupon, oui, installez-vous. Il faut aller payer quelque chose. Oui, oui. Va payer, va commander la bière. Ouais, ouais. Tu viens. Je viens, installez-vous. Va commander la bière. Va commander la bière, je viens. Oh, ouais. Regarde. Fais attention à lui là. C'est pas un bon type. Hein. Lui qui cause avec toi là. C'est un ancien fou. Ah bon? Lui là, il est très, il est fou. Il n'a même pas 5 francs où tu le vois là. C'est un dérégré mental. Mais c'est un fou et puis toi tu es avec lui. Non, c'est quelques rares fois. C'est quand je lui fais une piqûre, sa folie diminue. Le jour tu dois avec lui. Il va te tuer. Tout ce qu'il fait là, c'est moi qui te passe. Hein? Ah bon? Non, si ça fait d'argent, non, j'en ai. Moi, je peux te. D'abord, tu es très jolie pour causer avec des trucs comme ça. Yo, ça va? Chérie, yo, yo. Hé, mon ami. Quel ami? Aïe. Si c'est celui que je connais là, je ne sais pas où il est allé. Tu sais pas où il est allé? Hein? Hé. Hey. Et l'autre là, comment on appelle? Jupon. Hein? Tu es venu chercher ma bouche, quoi. Non. Mais si on dit qui connaît où se trouvent ces deux-là, c'est bien toi. Ah, ça c'est vrai. Hein? Bon, je vais aller les appeler, quoi. D'accord. Si faut quitter pas... là, je vais balayer. Moi, j'ai des connaissances. Oui, j'ai trop de connaissances. Non. Les petits affaires, les sakouchis qui sont en France, là. C'est ça, mes amis? Je te dis. Tu vois, il y a un jeune, c'est pas un jeu très simple que je ne parle pas de ça. Les petits enfants, les Cissé Djibril qui jouent en France là. Ce sont mes petits enfants, ils sont petits petits comme ça. Donc tu n'es pas n'importe qui. Mais hein? Je suis simple, je n'aime pas me faire voir, c'est tout. Je n'aime pas me faire voir. Mais les petits Olivier Capra, c'est des enfants que je connais bien. Bien sûr, très simple. Ce que tu as fait, prends mon numéro, prends mon numéro. Prends mon numéro et puis tu m'appelles. Demande. Je suis au 04-01021. J'ai retenu. Oui, fais attention. Mm-hmm. C'est moi qui t'aime, lui il n'est pas bon. Et puis, tiens de l'argent, tu m'as appelé. Oui. Oui. Tu lui as parlé de moi. Ouais, je lui ai dit que tu es un joli garçon très mignon. Ah ouais, ça tu es bon. Mademoiselle, il n'a pas menti, je suis très mignon. Ça, il n'a pas menti. Dis-moi, tu n'as pas un petit 100 francs qui te gêne? Moi-même, faut pas m'énerver matin là. Hein. Tu as compris? Aïe. Regardez-moi ça.
Si tu crois ton ami, il faut lui demander s'il m'a laissé l'argent ici avant de sortir. Je peux te fouiller. Regardez-moi ça. Viens, tu n'as même pas honte. Viens prendre 100 francs. Prête voleur. Viens prendre 100 francs. Le dernier 14, c'est presque pour moi-même. Ah bon? Ouais, je suis très simple. Voilà. Tout ce coin-là, c'est moi qui paye. Tout ceux qui boivent là. Allez. Buveur, je paye là, buveur, je paye. Où est la fille là? Envoyez le morceau là. Mademoiselle! Envoyez le morceau de la fille là, elle va danser. Et puis, il a fait. Je t'ai laissé quoi comme consigne ce matin? Tu m'as dit lorsqu'on sort, qu'on rencontre un ami. Un ami? Ton ami ou moi mon ami? Notre ami, mais... Moi mes amis là, ce ne sont pas tes amis. Hein. Fais très attention avec moi. J'ai compris. Ensuite tu as dit lorsque tu es en train de causer avec cette personne, hein, je devais me tenir tout juste derrière toi comme ça. Iran, matin là je n'ai pas envie de m'énerver. Si toi tu es derrière moi que je cause avec mon ami, vos jeux des yeux là, moi je peux vous voir? Non. Alors, tu te mets carrément derrière mon ami, c'est ce que je te demande. C'est-à-dire quoi? Toi tu es là comme ça. Mm-hmm. Hein? L'ami là, c'est-à-dire c'est toi. Toi tu es là. Tu passes derrière lui. Comme ça quand je parle avec lui, je te vois en direct. Ah, c'est clair? J'ai compris. Voilà, mais fais très attention. Tes seins là, faudrait pas que ces seins là touchent son dos. Toi aussi, tu es ça, j'ai fini de parler. D'accord, on peut partir. Compris. Passe devant, parce que si tu es derrière, les gens vont te regarder trop. Allez, j'ai devant. Compris, on va te surveiller là. Ça, c'est des motos. Puis, effectivement, il est dedans. Abraham? Oui, Isaac? Il est midi. Mais on mange où? On va manger à la rue 101. Il y a un superbe maquis qui a ouvert il y a tout cela 5 jours. On y trouve tous les mets. Africains, asiatiques, européens. Même si tu veux de l'escargot, tu en auras. Ok, on y va parce que j'ai sérieusement faim. Allez, on y va, monsieur le DF. Bonjour, belle demoiselle. Bonjour, monsieur. Ah, vous êtes très ravissante, hein, n'est-ce pas? Et pouvons-nous savoir à qui nous avons affaire? Pouvons-nous savoir aussi à qui nous avons affaire? Ah oui, là, elles ont parfaitement raison, n'est-ce pas? Effectivement. Moi, c'est Isaac pour les intimes. Et lui, c'est Abraham, Ambi pour les intimes. Mon collègue et ami. Enchanté, monsieur. Vous êtes vraiment très sympathique. Maintenant que tout est clair, je me présente. Moi, c'est Sarah. Et elle, mon amie de collègue, Aïcha. Deux jolis noms pour deux belles femmes, n'est-ce pas? Effectivement. Où allez-vous? Manger. Mais ça tombe bien, puisque nous aussi on partait manger. Je pense que l'occasion est la bienvenue, on vous invite.
Non, ça ne vaut pas la peine. Mais c'est juste une invitation. Écoutez, vous n'avez pas insisté. On a trop de clés qui nous attendent au salon. On remet ça plus tard, ok? Bon, écoutez, le salon, c'est où? Vous voyez le carrefour juste là? Oui. Après le carrefour, il y a un salon. Coiffure du monde. Ah, ok. Bon, on peut avoir vos contacts pour vous appeler. Nous n'en avons pas. Laissons-nous le vôtre. Attendez, j'ai une carte de visite. Allez-y, ah, voilà, ok. Tenez ça. Ça, c'est ma carte de visite. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Ce soir même, surtout, pour qu'on puisse prendre un dîner ensemble. Oui, écoutez, nous sommes de véritables célibataires, donc ça nous fera vraiment très plaisir de vous compter parmi nos invités, n'est-ce pas? Garçon d'habitude. Mais il n'a pas menti, c'est vrai, nous sommes des célibataires. Ah oui, franchement. Bon, écoutez, on va ce soir ça. On vous appelle plus tard parce qu'on est un peu pressé, ok? Merci bien pour votre compréhension. Ouais. Espérons nous revoir. Ok, espérons. Ouais. Aïcha, quoi? Tu as vu ça? Quoi? Ils travaillent au trésor public. Oh, toi tu aimes ça? Tout le monde travaille au trésor. Et ils font quoi juste au trésor là? Mais regarde, il est marqué directeur financier. Ma copine. Attends, attends, attends. C'est des grands types alors. Ah bon, de jeunes cadres dynamiques. Ouais, des JCD. Mais ça là, on ne laisse pas tomber l'affaire. Oh, doucement là. Comment ça? Trop ça. Toi-même tu n'aimes pas, tu n'aimes pas ça. T'aimes trop le garçon. C'est pas ta maison la carte. Oh, toi-même tu n'aimes pas ça. Oui. Et tu sais, Isaac, sans demander ton avis, je t'avoue que je suis amoureux de Sarah. Oh, 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 je te vois venir, Abraham. Tu me laisses, Sarah. Tu me la laisses. Occupe-toi d'Aïcha. Je m'occupe de Sarah. Je te dis non. Dans ce cas, on va procéder à un jeu. Le vainqueur va garder Sarah. Lequel jeu? Pile ou face. Ok, on va. Pou, don, don, pou, don, don. Vous faites pou? Voilà, voilà, je suis plus chanceux que toi. Oui, tu es le vainqueur. Ah, voilà. Tu gardes ça là. Non, pas de problème. Merci bien pour ton esprit fair play. Sans problème, Isaac. Merci. Oh. La journée. Tiens ma puce, tu es rentrée? Oui maman. Et ne t'a pas entendu encore. Ah, excuse-moi. Et la journée très bien passée. D'accord. Maman, tu sais quoi? Je fais la connaissance d'un jeune homme ce matin. Joli garçon, très sympa en plus. Ne me dis pas que tu es amoureuse, coquine. Si maman, très amoureuse même. Fais très attention ma fille. Tu le connais suffisamment pour en être amoureuse? Non maman. Mais quoi? Écoute, prends tes précautions avant de t'engager, d'accord? C'est compris. Ok, va te laver, on en parlera plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Mmh. Ah. La jeunesse. C'est quelle discussion même qui est venue là? Non, il faut arrêter ça. Faut pas dire ça là même. C'est quelle discussion ça? Faut arrêter ça là. Moi j'ai dit, lui là il comprend jamais rien. Non. Mais toi tu dis quoi? Mais moi je lui ai dit, hein, que c'est Jésus qui a trahi Judas. Regardez non, ça. Non, non, tu te trompes. Regardez-moi ça. C'est Judas qui a trahi Jésus? Moi je me trompe. Non. Moi je me trompe. Tu te trompes. C'est lui là qui se trompe au contraire? Non, je pense pas. Non, c'est Judas qui a trahi Jésus. Mon ami, ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est blasphème. Quand vous buvez deux verres de coutougou seulement, vous êtes mélangé. Et vous mélangez toutes les paroles de la Bible. Qu'est-ce que mélangé ici? Qu'est-ce que c'est mélangé ici? Mais faut moi, arrêter ça! Mais... Oh, Guy, c'est Jaoulade. Il n'y a qu'un problème. Elle peut vous embrouiller mon mari comme ça là, mais. Ça, c'est une affaire qui est trop forte pour toi. Moi, ça, là, il faut essayer ça. Ah, mais c'est bon. C'est lui là qui fout la merde. Il a embrouillé, embrouillé. Jésus a trompé Judas. Judas a trompé Jésus. Vous, il connaît quoi dedans même? Oh, il tombe bien. Père Michel Yolive. Allez, va vous parler. C'est que vous parlez là. Il vous va parler, vous le comprenez. Il connaît son travail, il a travaillé avec le pauvre Jean-Paul II. Oh, mamie, bonjour. Bonjour, Père Michel. Comment ça va? Wanya Kakra. Ok. Et chez vous? Non, par la grâce du Seigneur. Tout va très bien. Oui. Bonjour, les enfants. Bonjour, Père Michel. Très bien. Père Michel, je ne suis pas la cabaret. Je suis un ancien prêtre, s'il vous plaît. Ancien prêtre.
Prête, c'est pas prête. Je ne suis plus en fonction. Je peux m'amuser avec la vie maintenant. Bonjour, madame. Mais ça arrive, hein, souvent. Voilà, Père Michel, il tombe bien. Ah. Depuis là, les clients, il parle que Jésus a trompé Zida. Jida, il a trompé Jésus, il n'y en a pas compris. Tu es bien béni. Il se passe quoi, les jeunes? Le Père, tu sais, oui, attends. Le Père, tu sais, ce jeune homme-là, il trouve que Jida doit aller en enfer pour avoir trahi Jésus. Oh, moi, je lui dis que c'est faux. Moi, j'ai dit c'est faux. Et c'est ça qui fait que nous sommes là en train de discuter depuis là. Non, dis la vérité. Il dit non, c'est Jésus qui a trahi Judas. Mais... Non, c'est pas ça. Jésus n'a pas trahi Judas. C'est Judas qui a trahi Jésus. Mais là, c'est pas l'accomplissement de l'écriture, la sainte écriture, selon la Bible. Ce qu'on lui dit. Oui. Et c'est très bien fait même d'ailleurs pour la gueule de Jésus. Mais ne soyez pas surpris demain de voir Judas à la droite du Seigneur. Ah bon? Mais ah oui. En tout cas. Judas sera à la droite du Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Non, il n'y a pas d'explication selon la Bible. Je vous parle en tant qu'ancien prêtre. Ancien prêtre. Voilà. Ancien prêtre. Voilà. Parce que l'autre là, Isaac là, j'ai dit c'est mon chant quoi. Il me plaît. Enfin, il y a tout. On aurait dit un cadeau du ciel. Ça c'est vrai. Cette année la Noël est un peu livrée tard, mais c'est pas grave, je prends la chance en ça. C'est vrai. Et c'est une occasion à ne pas rater. Hein. J'étais venue faire le retrait de mon défunt mari. Oui. Et il se trouve que je commence à avoir un mal de ventre. Oh. Ah, ok. Dans ce cas, soyez-vous juste à côté.